c'est Roro945, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour l'épisode 7 sur Resident Evil Village, Resident Evil 8. Nous repartons dans cette aventure, dans la dernière vidéo. Alors, je vous avoue, je me souviens plus trop exactement de ce qu'on avait fait la dernière fois. Alors, je vais peut-être reprendre des événements qui datent un petit peu, mais de souvenirs. On avait combattu donc une des trois sœurs. On avait entendu une conversation téléphonique entre Lady Dimitrescu et Mère Miranda. Lady Dimitrescu qui en a marre un petit peu hein, qu'on lui mette des bâtons dans les roues. Et elle a décidé de nous traquer. À l'instar de Mister X et de Nemesis hein, à l'ancienne. Eh bien, Lady Dimitrescu a l'air de nous suivre partout dans le château. Alors, je vous avoue que ça, c'était pas prévu au programme. Et d'un côté, ça rajoute un petit peu du stress. Même si ça a l'air d'être un peu aisé de la distancer. Donc là, on entend hein, ces bruits de pas. Qu'est-ce qu'on avait fait? Ouais, donc ici on avait eu une petite énigme de la maquette du labyrinthe. On avait récupéré un trésor, très très bien. En termes de munitions, on n'est pas top top. Hein. En termes de munitions, c'est pas top top quand même. En termes de munitions de flingue, on en a un petit peu. Munitions de fusil, il y en a. En termes d'argent, on est à 3000. Et notre objectif, c'est de trouver des masques d'ange. On en a trouvé 1 sur 4. Donc, de souvenir, on en avait déjà déposé. Et oui, puis c'est cette porte qu'il va falloir, réussir à ouvrir. Très bien. Alors, attendez. Comment on fait pour regarder les... Ah oui, ok. Ah oui, on avait trouvé la clé en fer forgé. Donc du coup, qui va nous permettre d'ouvrir les portes avec cette avec ce symbole-là. Hein, comme vous pouvez voir. Donc, il va falloir... et en trésor, de toute façon, on n'a plus rien. Alors, clé en fer forgé, crochet, le hall principal. Donc, salle à manger... Alors, objet à récupérer, il doit y encore avoir des choses hein, à faire là-dedans. Dans la cuisine, il y a encore des choses à récupérer. Ah, ok. Et ici, donc hall principal. Terrasse, point de sauvegarde. Là-bas, donc, on doit être tranquille. Il y a un marchand là-bas. Ah oui, voilà. Clé en fer forgé. Donc, il va falloir passer par... Ah ouais, mais on peut pas ouvrir cette porte-là. Salle de la joie. Bibliothèque, on peut pas l'ouvrir cette porte-là. Ah, il faut repasser par la salle de l'opéra, peut-être. Ah oui, donc il faudra repasser par la cour. Aller salle à manger. Passer par là. Donc dès qu'on sort de la salle à manger, à gauche. Salle d'opéra et reprendre les trucs. Ok. On va essayer d'y aller petit à petit. Évidemment, on va essayer de... On va essayer de pas se faire avoir par Lady Dimitrescu. J'ai de nouveaux articles pour vous, monsieur Winters. Ah bon? Ah, alors fais voir. De toute façon, on n'a pas assez d'argent. Formule pour mission de fusil sniper, ça serait pas mal. Et les mines... Ça serait bien aussi de se les acheter. L'atelier, on... Ah oui, on a amélioré la puissance du fusil et de l'arme de poing. Très très bien. Et on avait récupéré également un objet pour... Ne faites pas attention à moi. Pour l'arme de poing également. Merci de votre visite. Mais j'entends un... une sorte de...
sorte de chèvre là. Alors l'avantage, c'est que Lady Dimitrescu, on peut... On peut la voir au loin. Ah non. C'est vrai, on a dit que... Ah. Je t'ai fait attendre. D'accord, donc en plus ils sont là. Et zut. Voilà. Si tu pouvais te dépêcher. Ah. Tu te décides enfin à venir me voir. Personne ne me résiste bien. D'accord. Ah, c'est quoi ça? Oh, ça fait peur. Tu veux vraiment me tuer? Où est-ce qu'elle est? Pourquoi ah putain, ça, ça reste pas... Ok, j'ai compris. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Il fait si froid. Ça, elle a pas l'air d'attaquer du moment que... Du moment qu'on ouvre la... Les la autres truc. Étaient contents, pourtant. Oh, tu pourrais faire partie de moi pour toujours. Ah c'est tout, ok. En plus j'aime bien cette voix là. C'est Ras-le-bol des insectes. La voix de Dorothée Pousseau. Et du coup, alors j'ai pas fait de recherche à proprement parler, mais oh ça c'est bon ça. Mais il y a quand même pas mal de voix connues qui interviennent sur ce Resident Evil. Et notamment la voix de Lady Dimitrescu, eh bien c'est la voix de Françoise Cadol, connue pour avoir été la voix de Lara Croft dans les premières versions, hein, dans les anciens. Alors ça me dit qu'il y a encore quelque chose à récupérer. Mais moi je ne vois pas. Ah puis ça on peut plus le... On peut plus l'ouvrir.
Alors pourquoi ça me dit qu'il y a encore quelque chose à récupérer? Parce qu'il n'y a pas d'étage dans cette pièce. Bon, et en tout cas, Lady Dimitrescu, elle a pas l'air de venir ici. Donc on s'est débarrassé de la deuxième sœur. Donc il nous en reste plus qu'une. Bon écoutez les amis, hein, je vois pas du tout quoi récupérer d'autre. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si pour vous hein, j'ai zappé quelque chose, mais moi perso, je vois rien. Atelier. D'accord. Donc cette porte-là est ouverte. Cette porte-là qui mène au hall principal. Ah oui, ça nous amène avant. Ah bon, ok. Là, masque de la joie. D'accord, donc on a le deuxième masque, très très bien. Ici, un long portrait de Lady Dimitrescu. Ah. Oh non! Oh t'es sérieux? Putain, pourquoi tu utilises des munitions, Ethan? Putain, pourtant j'avais sélectionné le couteau. Ah ça c'est une balle de gâchée, hein. Très bien. Allez, faites sonner les cinq cloches. Ah, une cloche là. D'accord. Ah, il y en a. Ah, il y en a une là. Deux. Est-ce qu'il y a un temps limité pour le faire ou non? Non, apparemment non, une fois que c'est allumé, c'est allumé. Bon, après, cette énigme, hein, on ira sauvegarder directement. Et... Bah, ok. Attendez. Ah, attendez, il y en a une là, hein. Ouais, je t'ai vu. Ok. Ah, il faut avoir des bons yeux. Hein. Donc, ça en fait 3. Ah ah. 4. Enfin, ils en mettent même une derrière dehors. Et. Ah putain. Et la cinquième. Et du coup, celle-là va être. Merde. Ah ça va être chiant hein, celle-là. Ah là là, je l'aurais pas. Si c'est bon. Bon ça on n'a pas trop gâché de balles. Hein, qu'est-ce qui se passe? Ah putain, ça... Ah d'accord, ça a ouvert le tableau. Ok.
Ah oui, non, mais moi je vais aller sauvegarder, moi. Oh, c'est sérieux. Attends. Confection. En fluide chimique, on en a combien? Ah, on a 6 fluides chimiques. Ok, et en ferraille, on en a 3. Ah ouais, donc là, c'est soit je me fais... Ouais, donc là, il faut choisir, c'est soit des munitions de fusil, soit des munitions de... gun, mais pour le moment, on va... On va rien faire du tout, on verra en fonction. Ah, par contre, on commence à aller... vers les toits. Ah, non, Ethan. Ouais, évidemment. Attends, ça te force à gâcher une balle, c'est pas cool. Carte au trésor, donjon. Non, c'est ouf, c'est là. Carte au trésor. Un morceau de carte abîmée qui indique l'emplacement d'un trésor. Très bien, regardons ça un peu plus en détail. Le cercueil de ce gentilhomme renferme un objet d'une grande valeur, mais seul quelqu'un d'assez éclairé peut prétendre y accéder. Le cercueil de ce gentilhomme. Donc donjon. Attends. Cuisine. Donjon. Cuisine. Le donjon, ça serait là. On est déjà passé par là. Renier. Bon. Au pire, on verra ça un peu plus tard. En toi, c'était sûr. Un bout de ferraille en plus. Je prends le crochet. Et... Parce que je crois que ça met pas le jeu en pause, hein, ça. Hein. Ouais, tant pis. On se refait des munitions de... Ah bah non, on peut. Bah voilà. On refait un petit peu de tout. Comme ça, on est un peu paré. Ouh, de la poudre noire. Ouh, fallait pas l'oublier ça. Ok. Qu'est-ce qu'on a là? J'ai entendu dire qu'une arme que l'on surnomme dague des fleurs de la mort se trouve quelque part dans ce château. Il s'agirait d'une antiquité du Moyen-Âge enduite d'une concoction de différents poisons provenant des quatre coins du continent. On dit qu'elle a été conçue pour tuer les monstres et les démons. Cette histoire a beau être fascinante, personne ne sait où se trouve la dague en question. Ok. Donc maintenant, ça nous parle d'une épée, d'une dague qui peut tuer des monstres. Ok. Pourquoi pas. Oh! Oh! Mais que voilà! Un fusil sniper! Très très bien! Ah, par contre, on a que 4 balles. Et. Ouais, alors ça, on va se le mettre en raccourci, ça. Hein. Voilà, on se le met en raccourci. Mais on a déverrouillé, donc le sniper.
Et comment dirais-je? Par contre, que 4 balles. Et à mon avis, si on nous donne le sniper maintenant, c'est que... ça va partir en... en sucette. Alors, je fouille. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Bordel, qu'est-ce que c'est que ça? Wow. Putain, mais... ah putain, c'est des encapuchonnés, mais qui volent. Ah d'accord, on a un ascenseur. Des munitions. Ah. Des munitions de sniper, c'est pas mal. Ah par contre, si une balle de shotgun ça les tue, moi je veux bien. Par contre, je dirais pas non à ce qu'ils donnent des... bah ouais, des munitions. Oh, je t'ai touché, frère. Ah, par contre, toi, tu vas rien me donner, enfoiré. Merde. Ah, foiré. Allez. Quoi? Alors soit il y en a trop, soit... ah putain, on peut passer... oh, ok. Non, t'es mort. Ah, elle cristallisée. Des fois, il a du mal à les prendre les... ah, par contre, l'ascenseur, je sais pas trop à quoi ça a servi.
Ouais, le shotgun il est efficace contre eux quand même. Hein. On se refait en... Beffroi. Tour de la colère. Ouais, mais avant d'y aller... Parce qu'il y a l'histoire de l'ascenseur, là. J'aimerais bien... retourner voir... Bon, là, normalement, il n'y a plus d'ennemis, mais... C'est pour aller en face. Parce qu'il y a l'histoire de l'ascenseur, là, je voudrais juste aller voir où il mène. Par contre, la musique, là, elle est vraiment pas du tout rassurante. Attends, on pouvait passer par là, hein, non? Ouais. Ah ah! Ouais, il y avait un... Ah, pour de la ferraille, c'est bien d'être revenu ici, c'est bien. Donc nous... Ok, donc nous on vient de là. Et la tour bizarre là, c'est, la... c'est ici, c'est ça? Ok, bon. Et l'ascenseur veut nous ramener au hall principal. Alors, au pire, s'il y a Lady Dimitrescu qui nous attend... Vas-y, rentre. Au pire, s'il nous attend en bas. On remontera vite. Ah, mais j'espère que ça va pas me mener au... Un vestibule porte cochère. Ah non, ça va nous ramener au tout début du... Ah oui, ça nous ramène là! Et oui, ça nous ramène là où... C'est là qu'on a le deuxième masque et qu'on a des choses à... Cassandra, viens ici. Qu'est-ce que cet homme fabrique? Tu es ma fille! Agis comme telle! Très bien, mère. Oh. Oh, tu as dû avoir... Je vous propose de nouveaux services. Venez! Ah, ouais. Naturellement. Ouais, ouais, ouais. Fais voir. Oui, je vais te prendre ça. Je vais prendre ça. Je vais te vendre. Alors, elle cristallisée, reste cristallisée d'une créature ailée. D'accord. Saison 2004. Quelques très, très bricoles. Je vois. Ça, on peut le vendre direct. On a un rocher, ça, on va le garder. Ne faites pas attention à moi. Ah, on peut améliorer quelque chose. On peut améliorer... On va améliorer la puissance. Une modification comme celle-ci ne prend qu'un instant. Ouais, ouais, non, non. On va améliorer la puissance. On va... Bon, on va rien faire de plus, puisqu'on ne peut plus rien faire. Mais... Voilà, le... Ah ouais, par contre le zoom il est ok. Ah et par contre ça reste sur le
Ah non, putain, c'est moi qui... Ah oui, ok, putain, je comprenais pas. Très bien. Ce n'est pas le bon masque. Ok. Bon bah écoutez les amis, on va pouvoir s'arrêter ici pour cette vidéo. Alors regardons un petit peu. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ah non, attendez. Il y a un crochet qu'on peut utiliser là. On a un crochet à la salle d'opéra, mais... Ah vous savez quoi? On va taper une sauvegarde. On va... juste essayer de voir si au niveau du crochet là ça c'est intéressant ou pas d'aller décrocheter ce qu'il y a là-bas. Oh putain, évidemment. Évidemment, ni... Ok. Évidemment, il nous y attendait. Ah, puis elle est là. Ok. Bon, bah on va vraiment s'arrêter là du coup. Ah oui, c'est vrai qu'il y a... Ouais. Ok. Bon bah écoutez, on a sauvegardé, on ira voir, on essaiera hein, dans la prochaine vidéo d'écrocheter ce premier truc, en espérant qu'il y ait des choses intéressantes dedans, sinon bah on verra. Allez les amis, à très très bientôt, commentez, likez, partagez, et on se donne rendez-vous très très vite, ciao ciao.